Bonjour et bienvenue au défi Libérez-vous, jour numéro 8. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur la gratitude, c'est-à-dire la capacité de pouvoir focaliser sur les choses positives ou les choses heureuses qui nous arrivent dans la vie. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas voir le négatif, c'est juste que notre focus est plutôt sur ce que nous savons et pas sur ce qui nous manque. Donc déjà, c'est un muscle qui se développe petit à petit. Plus on le fait, plus cela devient simple. C'est vrai que les premières fois, quand on nous dit « qu'est-ce qui vous est arrivé de sympa aujourd'hui ou de quoi vous êtes fier ?» on dit « il n'y a rien », mais petit à petit, on commence à se rendre compte de toutes ces petites choses. Donc, nous allons focaliser à regarder toutes ces belles choses que vous avez accomplies pendant cette année 2017. Donc pour cela, l'huile essentielle à l'honneur, c'est l'huile essentielle des géraniums bourbons. Donc cette huile, elle va nous permettre de prendre conscience de toutes ces belles choses qui nous arrivent. Elle va nous aider à retrouver la confiance intérieure. Elle va apaiser les peurs et nous aider à les surmonter avec beaucoup de courage. Et elle va aussi nous envelopper de douceur, de courage et de confiance pour aller de l'avant. Donc, ma petite recette magique que j'ai déjà préparée, c'est vous allez prendre un roulon de 5 ml ou un flacon de 5 ml et vous allez mettre 7 gouttes de l'huile essentielle et vous allez compléter avec 5 ml de l'huile végétale. Donc, vous allez mettre d'abord l'huile essentielle, après l'huile végétale, vous fermez, vous mélangez. Et donc, vous allez appliquer ça 3 fois par jour au niveau des poignets et au niveau de la jugulaire. Donc voilà. Et vous allez finaliser avec 5 minutes de respiration profonde. Donc, ça, vous allez le réaliser pendant 4 jours, 3 fois par jour. Donc, pour la deuxième partie, aujourd'hui, je vous propose de prendre votre support écrit et noter, écrire tout ce que vous avez vécu de positif cette année, toutes ces choses dont vous êtes fiers, toutes ces belles réussites de cette année. Donc, vraiment dans vos 3 casquettes, hein, maman, femme et femme active ou femme professionnelle. Donc, voilà, j'ai réussi à faire du sport tous les jours j'ai commencé à pratiquer la méditation. Je suis super contente parce que maintenant, je dédie 10 minutes d'attention concentrée, focalisée à chacun de mes enfants. Voilà, donc toutes ces choses dont vous êtes fiers, toutes ces réussites, vous allez les noter, vous allez les écrire et vous allez prendre conscience. Parce que quand on réfléchit et on écrit, la conscience elle est beaucoup plus profonde. Donc voilà, on est tout près de la fin d'année. Je tiens à vous souhaiter une excellente fin d'année et mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. Et on se retrouve pour le dernier jour du défi, le mardi 2 janvier, pour pouvoir mettre en place toutes les nouvelles résolutions, tous ces souhaits et comment on veut vraiment visualiser cette année 2018. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à l'année prochaine, à mardi.